Eh bien, salut les amis, c'est que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, c'est une présentation donc d'une gym. C'est assez bizarre, donc j'ai changé en fait, et j'ai tout rechangé. Donc, j'ai changé tous les prénoms et puis toutes les couleurs. Donc, pour vous reconnaissez pas les personnages, mais je pense que si vous suivez bien mes vidéos. Et si vous me parlez sur Dofus, je pense que vous comprendrez si je parle de quel personnage. Donc je vais vous présenter cette team là, donc une team de 4, Sacrieur, Sram, Salida et Inirupsa, tout basique. Enfin, Inirupsa et Sacri, c'est plutôt basique, c'est plutôt quelque chose qui va avec. Salida, on ne voit pas beaucoup dans les gyms. Et puis Sram, on ne voit pas du tout, enfin presque pas. Alors, on va commencer directement avec le Sacrieur. Alors, Sacrieur qui est air et feu, donc avec une panoplie Tengu, excusez-moi. Alors, il est pare-chaud 101 par 100 partout, sauf chance, vu que ça me sert à rien. Force, c'était pour avant, agi aussi, enfin, tout était pour avant en fait. Il est énorme, franchement, il est énorme ce Sacrieur. Alors, on commence directement, hop, coffre du Tengu, givre fou, Bogey. Donc quand même deux résistances ici, mais bon, bah, j'ai boité pour ça. Brigadier en 70 vitalité, sinon c'est JP. Je vous mets de la condition si vous voulez en prendre une, et puis voilà. J'ai le PA Evita, pas PAPM, parce que je peux pas vu que j'ai le turbulent. Capu d'un coup, il refou, bon G1, hein. Donc juste 4 dommages R, sinon. Et 2% résil fixe. 2% résil R. Elle est plutôt rouge. Pourquoi la rouge? Parce que si j'aurais appris la verte, ça ne servirait à rien parce que je suis en 11 PA, donc pour faire deux absos et une assaut, enfin deux absos et une assaut, parce que absos ça rock plus en fait, tout simplement. Après les bottes, vous ferez positif ou léger. Désolé, mais j'ai pas de temps à perdre. Et ben la ceinture niveau dommage feu est pas mal. Crochet Ben que j'ai acheté tout à l'heure d'ailleurs. Que j'ai acheté tout à l'heure d'ailleurs. Talisman chaud. Bon, j'ai quand même le PO, les PO servent à rien pour moi. Hein. Sauf pour Cop Trans, je crois. Donc Dofus Kawott. Turbulent. Savant majeur. Acrobate majeur. Ravageur R majeur. Et Robuste majeur. Alors, au cas où, tous mes kamas sont sur celui-là. Donc je mets pas sur ce personnage. Juste 300 000 kamas, mais sinon tous les items qui sont bien, que je vais revendre plus tard à ça, bah, ils sont tous sur ce personnage-là, et même les équipements, pods. Donc niveau caractéristique avancée, alors vous allez vraiment choquer, vous allez halluciner voir ça. Les esquives PM 71, c'est énorme. 101 de puissance, c'est pas mal, les dommages qui passent crème, les résistances toutes dégueulasses. On passe sur le Sadida. Qui est haut, donc en 10-6 parce que sacrifice poupée, ce qui devient 4 PA et l'arme 3 PA, du coup ça passe pile pour faire le combo. Alors 992 de chance, j'aurais pu aller à plus si j'aurais tout mis. Voilà, donc si les 407 points là je les aurais mis en chance, j'aurais passé les 1050-1100. Coiffe du roi 5 du capuche souveraine du roi 5. Je vous montre les jets. Alors il est magnifique ici, c'est magnifique. Cette coiffe elle est magnifique, ce jet là il est Arès de même sauf les dommages. Donc 4 invoques, hein, regardez bien ça. Très bel anneau. Bogey en plus. Tout était bogey, hein. J'y fais quand même attention un minimum. Sauf celle-là, elle est vraiment dégueulasse. Mais niveau chance, Pote bleu, 90 de chance. Les médartes. Ah oui, dégueulasse le jet. J'en trouve un mieux parce que HDV n'a pas des bons. Tranche des sous-bois. Hop. J'ai un OPAPM. Amulette Katera. Ouais, il manque des dommages neutres, mais bon, ça me sert à rien. Et fuite aussi, mais bon. Voyageur. Ravageur au majeur. Survivant majeur. Joueur majeur. Saccageur au majeur. Et Dofus Kawott.
Et donc je vous ai montré, je vais pas vous montrer les caractéristiques, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors 10-6 3208A. Initiative pas mal. De portée bof, mais 4 invoques c'est pas mal du tout. Esquive PAPM, retrait PAPM, c'est pas mal. 10 CC, c'est déjà sa attaque. Moins 20, moins 26 fuite, c'est pas bon du tout. Dommage, bof. Sauf en haut, ça monte quand même. Et résistance dégueulasse. On passe sur le Enyrepsa. Maintenant. Alors, directement, on va regarder. Alors, il a 900 d'intelligence. Mais si j'aurais pris à la place de ça un astucieux majeur, j'aurais 1000, enfin 999 de intel. Donc 1000 quoi, c'est pas mal. La coiffe très beau jet. Donc je vais être assez rapide. Alors ces items à elles sont quand même pas mal du tout. J'ai un peu APM. Elles sont très bien, très bon jet. Plutôt 80 et puis bon voilà. Donc full résistance, full dommage aussi. Hop. Full résistance aussi. Presque full résistance. Je passe assez vite donc faites des pauses si vous voulez voir les jets, mais bon. De toute façon, on va voir ce que ça donne en tout. Du coup, je pense pas que c'est utile. Enfin, je pense pas que c'est utile. Alors, celle-là, cette amulette-là, je vais la changer direct. Quand je trouve des mieux, j'y prends direct. Savant majeur, examinateur, survivant majeur, Defuscawatt, soigneur majeur, soigneur. Presque 3000 vita, 9-6, mais 11-6 avec les deux PA. Initiative bof. J'aurais préféré qu'elle commence avant, mais bon. S'il arrive quelque chose, ça va tout niquer. 3 PO, c'est déjà ça. Une invoque, ça me suffit pile pour mettre la pinot. 900 d'intelligence, 200 force, on s'en fout. Parce que 300 de sagesse, c'est pas mal. Niveau avancé, pas mal de soins, 44 soins. Dommage aussi, ça va. Et résistance, bof. Et on passe sur le SRAM, pour finir. Qui lui. À 1053 de agilité, donc j'ai pas tout mis agilité. J'aurais pu envoyer 459 points là en agi. Donc imaginez que je peux monter Capignon, enfin Chapignon plutôt. Très très beau jet, rien à dire. Hein. Full résistance et tout, dommage. Full magnifique. Les dagues, bof. Niveau agi, c'est pas top top. J'ai un OPAPM Caprin, assez beau jet, sauf les résistances, bien sûr. Piotr jaune, donc je vous montre la panoplie aussi. Donc la panoplie donne un PA et tout et tout et tout parce que j'ai tout le bonus. Alors je suis 12-5 de base, hein, regardez bien ça. Enfin, dites-vous pas, ouais. C'est mieux parce qu'il faut les rip ça pour faire le combo et tout. Donc deux dagues et deux arnaques, ok, aussi vous connaissez pas le combo. Plus de jaune, boîte à lister. Sanctuaire bleu, elle est très magnifique celle-là. Elle est trop belle. Anneau collerette Exopia. Le jeu il est pas top top quand même. La frime amulette, alors celle-là elle est magnifique. Y a juste rien à dire, elle est over d'over. Fuscawatt, acrobate majeur, voyageur, turbulent, ravageur air majeur, survivant majeur, 1053 d'agilité, 377 de sagesse. Intel on s'en fout, hein. Je sais même pas comment on l'a eu. Ouais je crois que c'est. Ouais c'est ça. 12-5, 2 PO. Une invoque, le double ça me suffit. Esquive PAPM, c'est déjà ça. 25 CC, c'est toujours ça. 75 d'esquive, 75 de fuite. De fuite et tacle. Dommage, pas mal. Puissance piège aussi, c'est déjà ça. Et résistance, c'est bof. Bof de bof. Hein. Alors, cette team, je vais vous dire. Je vais faire plein de donjons avec. Je vais le monter. Je pense que le SRAM il va monter 180. Alors, je vous ai pas dit niveau. 193 le SRAM, 185 le Sacrieur, 182 le Sadida et 151 le Inursa. C'est de les monter un maximum comme ça, bah voilà. Donc, je vais essayer de faire pas mal de trucs, hein, de donjons et tout. Je vais essayer de tout faire. Déjà, je vais directement aller sur Free Ghost, faire les donjons et tout. Donc, je vais commencer par où on s'arrêtait, enfin, où ils peuvent aller le maximum de trucs. Après, tout continuer, c'est d'aller voir même au Colosseum, voir le passé si j'arrive, mais bon, je pense pas que je vais réussir. Mais bon, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura suffi. Je vais vous dire juste les rocks. Alors, pour le sacrifier, Absono Boost vers les 400, Asono Boost vers les 300, boosté 700 et quelques 800, et puis 600. Le SRAM 400, 400, 400, 400, Sadida 300, 300 et 500. Et puis l'Inirupsa, bah, je sais pas encore. Mais si, il me semble que vers les 300. Bref, allez, ciao tout le monde, abonnez-vous, les likes, allez, ciao.